Donc bien sûr, il faudra retourner ici pour faire la, pour mettre la troisième gemme, mais pas pour le moment, pas tout de suite, pas tout de suite. Ça sera après, ce sera plus tard. On va finir les requêtes et on se lancera sur la quête principale, bah, sur le chapitre 4, que dans la prochaine session, c'est ce que je vous aviez dit hein, de toute façon la session précédente. Alors... Donc la prochaine requête, hein, qu'est-ce que ça va être? Cherche et ménager, c'est noté. Ah bah on va retourner aux arènes. J'ai besoin d'un quelqu'un pour faire du ménage, il me faut quelqu'un de courageux. Tu me trouveras dans les arènes de Yunanville. Donc là, bien sûr, bah, vu qu'on n'a pas, pas lancé le début du quatrième chapitre, on n'a pas le tuyau qui nous permet d'aller directement à Yunanville, donc on va reprendre le chemin classique. J'espère qu'on n'aura pas besoin d'y aller trop de fois. Oui. Alors, donc, de retour... ici. Hop. Bon, on va passer la scène pour aller directement à notre arrivée à Yunanville. Parfait. Et donc pour voir ces notés, bien sûr, il va falloir qu'on aille dans la partie professionnelle. Tu ne serais pas l'ancien champion Super Gonzalez? C'est ces notés qui est devenu notre manager. Si tu veux la voir, elle doit être dans son bureau. Quoi? Tu veux te réinscrire? Ce serait formidable. Donc voilà, en fait, il nous parle qu'on veut se réinscrire parce qu'on peut se réinscrire, c'est ce que je vous avais expliqué lors de la fin du chapitre 3. Oh, tu veux te réinscrire? Formidable. C'est bon, tu peux entrer. C'est noté, notre nouvelle manageuse est là. Qui est là? Entrer sans frapper? Non mais... mais, c'est toi? Super Gonzalez? Ça faisait longtemps, ça faisait une heure que t'étais parti. Après ton départ avec la ceinture du champion, je pensais que nous allions perdre tout notre public. Mais en fait, Goldock est devenu champion, est redevenu champion, et il se défend bien. Et moi, depuis que je suis devenue manageuse, j'ai un boulot terrible. Mais... tu es peut-être revenu pour reprendre les combats? Hein? C'est ça? Oui? J'en suis sûr. Allez, dis-le. Je savais que tu reviendrais un jour, tu as bien fait. J'ai fait en sorte que tout soit prêt pour ton retour, mais... je suis désolé, ton nom a été effacé de la liste des inscrits. Ce qui veut dire que tu vas devoir reprendre les combats en deuxième ligue. Je ne peux pas te favoriser, les règles sont les règles. Je vais m'occuper de refaire ton inscription. Si tu veux recommencer à combattre, utilise le vestiaire de deuxième ligue. Inutile que je te réexplique les règles, bonne chance. Donc voilà, et après c'est l'arène classique. Hein. Ah bon? C'est toi qui réponds à ma requête pour l'aide ménager? Merci beaucoup. J'aimerais que tu jettes les ordures qui sont dans l'entrepôt. Moi, je refuse d'y toucher. Si tu pouvais juste les mettre hors de ma vue. Donc voilà, donc il faut aller dans l'entrepôt. Et voilà, donc en fait, les ordures, c'est des caleçons. Un caleçon de sportif qui a été utilisé pas mal de fois. Il n'a jamais été lavé, l'odeur est indescriptible.
Alors j'espère que je vais avoir assez de place, sinon il va falloir que j'aille faire un aller-retour pour les virer. Parce que là on est à... Ah non, ça les met en objet clé, d'accord. Je pensais que ça les mettait dans des objets classiques en fait. Tous ces caleçons là, mais qui a pu jeter tous ces caleçons? Est-ce que c'était le dernier? Je suis pas sûr. On va regarder ici. Non, ici il n'y en a pas. Donc c'était peut-être le dernier, on va voir. Je sais pas s'il y a. C'est censé me l'indiquer en fait. Quoi? Tu veux parler à ces notés? C'est bon, tu peux rentrer. Elle est là. Tu ne sens pas très bon. Tu n'aurais pas gardé ces ordures sur toi par hasard? J'aimerais vraiment que tu les mettes hors de ma vue. Confie-les à Goomléon, un Goomba de Port-la-Canaille. Il saura s'en débarrasser. Je vais le prévenir. Va les lui apporter. Donc il faut retourner à Port-la-Canaille. Donc les arènes, on les refera aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Ça c'est pareil, je pense que ça sera une session bonus qu'on fera un peu plus tard quand on aura bien level up et faire les arènes ne nous posera plus de problème. Je veux dire par là, tous les combats seront super faciles et on se débarrassera des ennemis en un tour. Ce qu'on ne pourra malheureusement pas faire, hein, parce que il faudra qu'on suive les ordres, les consignes de ces notés. Parce que oui, le système de consignes sera toujours présent, donc il faudra faire exactement ce qu'on nous dit. Alors, Goomléon. Donc Goomléon, c'est celui qui était derrière dans les... Ou non, c'est celui qui est en face, je ne sais plus. Non, je crois que c'est celui qui est en face de chez Goomstein. C'est noté, m'a contacté. De quoi diable veut-elle se débarrasser? Ou plutôt, de qui? Moi, ça m'est égal. Donne-moi les instructions. Et là, c'est parti. On dégage tous les caleçons. Et bon. On dirait que c'est le dernier, cette fois. Sale boulot. Pour toi aussi d'ailleurs, va chercher ta récompense auprès de ces notés. Ah oh, punaise, il faut retourner voir ces notés. Sérieusement. Bon, c'est vrai que sans le tuyau de téléportation, c'est un peu casse-bonbon. Parce que là, ça m'oblige à refaire le même train-train. Bon, si besoin, après, on fera des coupures, on fera des accélérés, hein, si besoin, si c'est vraiment trop long sur ces points-là. On verra comment je montrerai la vidéo, si je fais... des coupures sur les moments un peu longs comme ça, ou si je fais des accélérés, je verrai bien. Alors...
C'est bon, je me suis débarrassé de toutes les ordures. Je vois que tu as débarrassé les ordures. Voilà pour toi, merci beaucoup. Putain, juste pour 30 pièces. Je pense que l'odeur va mettre un peu de temps à partir. Juste pour 30 pièces en plus. C'est vraiment une quête vraiment pas très intéressante. Mais en fait, je pense que cette quête-là, elle est là pour nous faire voir qu'en fait, on peut revenir aux arènes pour refaire les arènes, en fait. Je pense qu'elle est surtout là pour ça. Alors, donc il doit nous rester deux quêtes. J'espère que ça sera pas de nouveau à Yunnanville, parce que si c'est à Yunnanville, c'est un peu chiant, parce que comme là, on n'a pas le... Comme j'ai décidé de pas vous... de pas continuer la quête principale, on est obligé de repasser par le chemin classique à chaque fois, donc c'est un peu long. Et encore, je vais rien dire, parce que officiellement... Attendez, parce que je suis en train de réfléchir à un truc. Je crois qu'il y avait même... Est-ce que dans le jeu d'origine, il y avait un passage pour aller plus vite à Yunnanville? Je suis même pas sûr, en fait. Il y en avait pas. Je crois pas, hein, dans mes souvenirs. Parce que parce qu'il n'y avait pas des passages dans chaque région dans le jeu d'origine. Donc, besoin d'une recette, Merli. J'aimerais bien un cœur fondant, mais j'en ai oublié la recette. Je peux difficilement m'absenter, j'aimerais donc qu'on la retrouve à ma place. C'est Mijoté de Carafleur qui m'avait donné cette recette. Je t'attendrai dans une maison d'oracle des sous-sols de Port-la-Canaille. D'accord. Donc là, ça me demande de retourner à Carafleur. C'est reparti. Et donc, il faut que je trouve... une recette de cœur fondant. Alors, je sais pas avec quoi il faut. Une poudre à gâteau, peut-être. Hop. Alors, le truc, c'est qu'il faut trouver laquelle... Donc, c'est pas lui. Alors, peut-être qu'il est dans des... C'est peut-être quelqu'un qui est dans un magasin. Bah, dans un magasin, dans une maison. Ah, c'est elle. Je suis Mijoté. Puis-je faire quelque chose pour toi? Quoi? La recette du cœur fondant? C'est Merli qui l'a demandé? Qui la demande? Bien sûr, il te faut de la poudre à gâteau et de la poudre aux yeux. Hihihi, je me demande bien pour qui Merli veut faire ce gâteau. Donc, bah, la poudre aux yeux, j'en ai un. Et la poudre au gâteau, je sais pas si on peut en acheter autre part qu'au casino pour le moment, en fait. Je suis en train de me poser la question. Et Merli, c'est celle pour c'est celle qui nous donne les bonus. Alors, est-ce qu'il faut juste... Tiens, il n'y a plus d'ennemis ici. Intriguant. Merli, ça devait être elle, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que juste la recette, c'est suffisant, ou est-ce qu'il faut lui ramener un... Normalement, elle demande la recette, elle demande pas qu'on lui ramène quelque chose. Alors, as-tu trouvé la recette du cœur fondant? Ah, je me souviens maintenant, bien sûr. Mais quoi en faire? J'aimerais en faire un, mais je n'ai pas de poudre à gâteau. Et je ne peux pas m'en sonder comme ça. Pardon de te demander ça, mais peux-tu m'apporter de la poudre à gâteau, s'il te plaît?
Bon, bah, on va aller acheter une poudre à gâteau. Et de la poudre à gâteau... bah, je crois qu'en fait, là, le seul endroit où on peut en avoir, c'est au casino, en fait. Donc, pas le choix, hein. On va aller au casino pour récupérer de la poudre à gâteau. Parce que je crois pas qu'on ait vu déjà un magasin qui nous en propose. Mais je suis pas sûr, sur le coup. Et après cette requête-là, on n'en aura plus qu'une à faire et on aura fait la totalité des requêtes disponibles pour le moment. Alors, si on avait vu tout à l'heure, donc nouvelle... Bien sûr, on peut faire le nouveau mini-jeu, donc le mini-jeu papier. Poudre à gâteau, vu qu'on a eu les 10 tout à l'heure, donc on peut se l'acheter. C'est parfait. Alors on disait ça, c'est un truc qu'ils auraient pu faire en sorte d'améliorer, c'est le fait que quand on est sur mini-Yoshi, quand on ouvre des portes, ça nous enlève pas de mini-Yoshi à chaque fois, en fait. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'ils auraient pu améliorer, en fait. Je trouve ça assez étonnant qu'ils ne l'aient pas fait, de base. Alors, donc, nous revoilà ici. On va retourner voir donc Merly, maintenant qu'on a une poudre à gâteau. S'il y a besoin d'une poudre aux yeux, on en a déjà une, vu qu'on en a chopé une gratuitement pendant un combat. Donc, on a eu du bol, en vrai. Voilà, j'ai ta poudre à gâteau. Oui, elle est là. Merci. J'en avais absolument besoin pour faire mon gâteau. Il faut ça et de la poudre aux yeux pour le cœur fondant. Je vais en faire un ce soir même pour quelqu'un, avec un soupçon de magie en plus. Merci infiniment, voici ta récompense. 30 pièces, encore une fois. Ok, très bien. Bon, on gagne aussi la recette, parce qu'on apprend qu'en faisant une poudre à gâteau avec une poudre aux yeux, ça nous permet d'obtenir... un cœur fondant. Donc en vrai, ça sera à tester quand on rachètera une poudre à gâteau. De toute façon, je vous cache pas, je crois que les recettes, je vais aller les... Faudra que je trouve une liste des recettes, hein, parce que clairement, les recettes, pour toutes les faire, parce qu'il y en a, je crois, il y en a une cinquantaine, si mes souvenirs sont bons. Ouais, il y en a 58. Faire les 58 comme ça, au pif, c'est galère, hein, quand même. Alors, donc une petite envie, Bubbleb. Il y a quelque chose que j'ai envie de manger par-dessus tout. Je t'expliquerai tout ça, viens me trouver à Carafleur. Pourquoi je sens que ça va être un truc à la con, style... Je voudrais goûter un... J'ai un souvenir d'un hot dog ou d'une connerie dans le genre. Et qu'il va falloir que j'aille retourner à Yunnanville acheter un hot dog. Je sais pas pourquoi j'ai un souvenir de ça. Et si c'est vrai, en vrai, ça va me gonfler. Parce que je rappelle que j'avais un hot dog au début de cette session que j'ai donné lors d'une des requêtes. En mode, oh bah tiens, prends ce truc parce que j'en ai pas besoin. Et si elle me demande un hot dog, je vais péter un câble. Parce que ça va m'obliger à retourner à Yunnanville, acheter un hot dog. Mais j'ai un souvenir que c'est un hot dog. C'est pas toi ? Ah non, ça doit être... Dans cette zone-là, juste ici. Bonjour, bonjour, je m'appelle Bubbleb. Tu es là pour ma requête ? Comme c'est gentil. J'ai demandé qu'on m'apporte un hot dog, putain, j'en avais...
Paraît que c'est très épicé, mais j'en ai envie depuis longtemps. En fait, je n'ai jamais rien goûté qui soit épicé. Et paraît qu'on vend des hot dogs à Yonanville. Merci de t'en occuper, va te faire foutre. Putain, j'en ai plus, alors j'en avais un. Putain! Désolé, mais ça me gonfle. Putain, j'en avais un en début de vidéo, je l'ai donné, parce que en mode, oh, j'en aurais pas besoin. Eh ben, on fait un aller-retour à Yonanville pour aller acheter un hot dog. Très bien. Et comme ça, on aura fait toutes les requêtes que nous avons pour le moment de disponibles. Passe bien sûr la cinématique parce qu'on va pas s'embêter à la regarder de nouveau. Bonjour, j'ai besoin d'un hot dog. Putain, c'est 10 pièces en plus en hot dog. What the fuck? Non, c'est bon, un seul me suffit. Déjà, je suis obligé de revenir ici parce que. J'avais oublié que... Et je sais pas pourquoi, en plus, j'en étais sûr. Quand j'ai vu la quête, je me suis dit, attends. Elle va me demander un hot dog. C'est presque sûr, je m'en souviens. J'en suis sûr. Mais oui, bien sûr que c'est un hot dog qu'elle veut, parce que pourquoi pas... Parce que pourquoi pas, une fleur qui mange de la viande. Allez, donc on est reparti pour... Carafleur. Et on aura officiellement terminé les requêtes pour le moment. Mais au moins, ça fait que toutes ces requêtes-là, on aura pu aller faire. Parce que le truc, si vous attendez la fin du jeu pour toutes les faire, ça va être très long. Ça, je vous le dis. Je vous le dis tout de suite, ça va être très très long. Parce que là, vous voyez, on juste faire toutes les requêtes qu'on a eu à faire alors qu'on est fin de chapitre 3. On en a eu pour quasiment plus d'une heure et demie. C'est quand même assez long. Je me suis loupé. Si, il est là, tiens, voilà. Oh, mais c'est un hot dog, miam miam. Voyons un peu. C'est fort! C'est donc ça le fameux hot dog de Yonanville. Ça y est, je suis accro. Pardon de te demander ça, mais bon. Mais va te faire foutre. Il en est hors de question. Non, mais il se soude ma gueule. Comment ça, faut lui en rapporter plusieurs? On se fout de ma gueule! Sérieux? Putain, je me souvenais pas qu'il fallait plusieurs... Plusieurs hot dogs? J'avais aucun souvenir de ça? Je sais déjà comment je vais appeler cet épisode. Putain de hot dog. Avec un bon gros hot dog là, en plein centre de la miniature là. Je vais en acheter plusieurs parce que je sais pas combien elle en veut donc. Je pensais qu'un seul c'était suffisant, bordel.
Putain, elle nous l'aurait dit dès le départ qu'elle allait en vouloir plusieurs. J'en aurais acheté plusieurs. Ah, bordel de merde. Je veux des hot dogs, bonjour. Allez, vas-y, donne-moi... Eh, vas-y, je vais t'en prendre. Vas-y, je vais t'en prendre jusqu'à tomber à 700. Comme ça, je suis sûr que j'en aurai assez. Je l'espère, en tout cas. Voilà, 7. Je pense que 7 hot dogs, ça suffira. Je vais juste regarder, il y avait quoi déjà au magasin ici? Ok. Parce que je voulais voir si ce magasin-là, il vendait des poudres à gâteau, mais pas du tout. Ah, bordel, les poudres à gâteau, les hot dogs. Faire un bon hot dog à la fin de cette vidéo. Non, je rigole. Non, mais sérieusement. Ouais, j'en veux un autre. Va te faire foutre, espèce d'enculé. Putain. Excusez-moi, je me lâche un peu là parce que. Gonflant là la quête, hein, un peu quand même. Et il y a intérêt que 7 hot dogs, c'est suffisant, hein, parce que sinon... Bon, après, c'est bien, les hot dogs, ça redonne PF et point cœur. Voilà, regarde, je suis là. Tiens, voilà tes hot dogs. Oh, encore un hot dog pour moi, quelle joie. Je n'en résiste pas plus. Miam gloops, miam gloops. C'est fort. Oh, mais c'est épicé. Ah, c'était bon, en fait. Ce n'était pas fort, mais plutôt épicé. C'est surprenant. Mais en fait, ce que j'aimerais goûter maintenant, c'est quelque chose de sucré. Pareil que pour le sucré, on a toujours une petite place. Tu voudrais bien m'apporter un bavarois. Dis Mario, ce serait vraiment joli. Un bavarois. Mais comment on obtient ça? Un bavarois fait avec de la poudre à gâteau. S'il te plaît. D'accord. Mais tu sais, tu m'emmerdes. Tu me casses les couilles, toi. Surtout qu'en plus, les poudres à gâteau, putain, c'est chiant à voir. Il n'y a pas de magasin qu'en vend pour le moment. Ou en tout cas, j'ai pas de souvenir qu'il y a des magasins qu'en vendent, donc... Ah. J'ai quand même vérifié, peut-être que le magasin de... Oui, parce que maintenant on peut passer ici. Hop. Ah oui, on aura aussi un petit chemin là qu'on peut ouvrir. Ouais, mais ça sert à rien pour le moment. Je vérifie juste si le... J'ai pas de souvenir de ça, mais je vais juste vérifier si le... Ah non, ouais, ici, on... Je suis obligé de ressortir pour retomber, c'est vrai. En fait, je voulais vérifier le... J'ai oublié le nom. La boutique des égouts, voir si lui, il vendait pas des poudres à gâteau. Mais j'y crois pas vraiment. Mais on va quand même aller vérifier au cas où. S'il en veut, on tant mieux, parce que ce serait plus simple pour moi. Mais je suis pas sûr qu'ils vendent des poudres à gâteau. Pas du tout. Très bien. Donc en vrai, les poudres à gâteau, on est vraiment condamné à devoir les prendre au casino, ça a l'air.
Bah, on va dire que pour la fin de cette session quête, je vais vous montrer les deux mini-jeux qu'on a débloqués. Tout simplement. Même si les deux quêtes, j'ai pas trop de les deux mini-jeux, j'ai pas trop de souvenirs comment ils fonctionnent et j'ai peur de pas les réussir correctement. Mais on va tester. Ah oui, mais attendez, parce qu'ils vont me dire que j'ai peut-être besoin de pièces, en fait. Ouais, vas-y, donne-moi... Donne-moi de plein de trucs. Non, c'est bon. Non, en vrai, on va tester les mini-jeux pour voir. Alors, le mode avion. Alors, le jeu en mode avion. Ce jeu consiste à te changer en avion en papier et à voler le plus loin possible. Plus tu voleras loin, plus tu gagneras de pianti. Si tu atteins la plateforme mobile, tu gagneras en bonus. Mais attention, si tu atterris sur la plateforme malus, tu perdras des pianti. Faudra payer 10 pianti pour pouvoir jouer. Donc, voilà. Parfait, par ici, s'il te plaît. A plus tard. On va vous faire voir les... Pianti World. Comment c'est le jeu? J'ai pas du tout regardé, j'ai fait de la merde. Dommage. Distance 374, 8. Bon, moins, et 8 pianti, donc 16. Pas de bonus. Ok. Bon, voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc, vous voyez, si vous arrivez à aller assez loin, vous gagnez de plus en plus de pianti. Et vous pouvez aussi gagner des pianti avec les ceux que vous obtenez sur la route. N'oublie pas que tu dois aller toujours aller dévorer le pitch, bah oui, je sais. Et le mode papier... ce jeu consiste à passer en mode papier avec Zedder pour éviter les rafales jusqu'à l'arrivée. Passe en mode papier dès que les hélices pivotent et que le vent se met à souffler. Ne te laisse pas emporter, si tu tombes, ta chute sera jugée comme un abandon. Ta récompense en pilotis sera proportionnelle à ta place dans le classement. Plus vite tu atteindras l'arrivée, plus tu obtiendras de points bonus, alors ne traîne pas. Il faut payer 10 pianti aussi. Ok, donc on va vous faire voir ce petit mini-jeu ici. A plus tard. Alors... Oh, il y a Luigi dans le tas. Donc dès que vous voyez les hélices qui commencent à se... Hop. Ah oui, parce que les hélices... Toutes les hélices ne fonctionnent pas, en fait. C'est ça, le truc. Oh, j'ai failli me louper. Oh, putain. C'est bon. Oh, je suis arrivé premier, je crois. Let's go. Pianti obtenu. 36. 36 pianti. C'est cool, hein, en vrai. Let's go. Il y avait Luigi. Dans le tas. Je sais pas combien il est arrivé. Il est arrivé combien de places, mais je ne sais pas. Bravo. N'oublie pas, tu dois aller toujours chercher Peach. Oui, je sais. Bon. Je veux de la poudre à gâteau, parce qu'il faut que je fasse un bavarois. Paraît-il. Donc bien sûr, bah faut passer voir Marité. C'est Marité ici, hein. Bah écoute, mets-toi à l'aise, comme chez toi. Oui,
Et poudre à gâteau. Pardon, on porte le... Un bavarois. À 15 PF quand même, c'est pas mal. Pourquoi je suis reparti dans ce sens? Pourquoi je suis pas direct parti au... Au tuyau de transport? Je sais pas, je suis perdu avec cette requête à la con là. J'avais totalement oublié que cette quête, elle demandait autant de trucs. En plus, j'ai acheté plein de... j'ai acheté plein de hot dogs pour rien, finalement. Il en fallait que deux. Alors, Bubble, bah voilà, je t'ai ramené ton bavarois. Voilà. Oh, un bavarois, je ne résiste pas. Miam, gloups, miam, gloups. Oh, c'est sucré. Ah, je suis rassasié, j'exagère quand même, tout ça pour moi. En profitant de la gentillesse d'autrui, mais je suppose que c'était la saison. C'est peut-être parce que cet endroit est si beau que j'avais envie qu'on me gâte. J'ai une envie de baigner dans la paix, dans l'amour et dans la gourmandise. Mais tiens, voilà pour toi en guise de remerciement. Fleurs séchées. Une jolie fleur faite par Bubble redonne un point cœur. C'est moi qui fabrique ces fleurs séchées. Si tu en veux d'autres, viens me voir avec un hot dog. Tu seras toujours bien accueilli. Merci beaucoup. Bah tiens, et alors, t'as parlé de hot dog, je vais t'en donner. Tiens, voilà ton hot dog. C'est épicé ? Pardon. Attendez, je récupère quelques fleurs séchées, hein. Vu que... Ça permet de débloquer ça, donc j'imagine c'est pour faire peut-être des thés. Les fleurs séchées, on va voir. Avec Marité. Tiens, il y a un truc là. Hop. Ce morceau d'étoile est récupéré comme ça. Que ça c'est pareil, ça va être aussi un des trucs qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'il va falloir réexplorer. Alors heureusement dans cette version ils indiquent où on a loupé des morceaux d'étoiles, bah, à quel pourcentage où on en est au niveau des morceaux d'étoiles et tout ça, donc tant mieux, parce que c'est vrai que les morceaux d'étoiles c'est quand même bien long à récupérer si on sait pas où ils sont, mais vu que là c'est indiqué, ça devrait aller. Alors, donc on va retourner voir Marité. Tiens, tu peux me faire quoi avec des fleurs séchées, madame? Parce que je pense que ça sert à ça, parce que sinon, je vois pas l'intérêt d'avoir des fleurs séchées. Hein. Vraiment? Alors ça doit être forcément avec des combos, en fait, parce que sinon, ça sert à rien, en fait. Bon, je regarderai de mon côté à quoi ça peut servir. Je vais faire juste quelques combos. J'imagine que hot dog, on peut pas s'en servir. Parce que c'est déjà une préparation en soi. Bon, ça, c'est les cératés. Hein. Quand c'est des cératés, ça veut dire que ça fait rien du tout. Est-ce que... Pousse vite, ça fait quelque chose? Franchement, je teste, hein, là. Non, là, ça fait vraiment que des trucs à la con. Là. Très bien, et je pense que poudre aux yeux tout seul, ça doit être pareil, ça doit faire... Ça doit pas faire des trucs vraiment terribles. Donc, en parlant de ça, trier non par type... Je vais donc manger les cératés pour m'en débarrasser. On va aller déposer
quelques trucs. Je vais poser un hot dog. On va déposer les fleurs séchées pour le moment. Et la poudre aux yeux, on va la déposer aussi. Voilà, comme ça. On fait de l'espace. On a quand même quelques objets. Et donc, normalement, si je me trompe pas, on a fait toutes les requêtes qui étaient disponibles. Donc bien sûr, à chaque fin de chapitre, il faudra y retourner pour voir aucune requête disponible. Donc voilà, donc en fait, on a fait toutes les quêtes. Et après, c'est des requêtes qu'on peut refaire pour regagner, mais des petites récompenses. Donc là, on gagne des récompenses beaucoup moindres par rapport à celles de base. Donc, voilà, voilou. Donc, on va terminer donc cette session... annexe complète, complètement annexe ici. Et donc dans la prochaine session, on reprendra donc l'histoire principale. On ira faire donc on ira montrer en fait la gemme étoile devant la porte millénaire pour avoir le prochain emplacement. Et on commencera le chapitre 4 dans la prochaine session. Donc j'espère que cette session un peu plus détente, un peu plus annexe, vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, un petit commentaire si vous avez trouvé ça pas trop embêtant, on va dire. Et si vous voulez pas rater la suite de ce let's play, tout simplement, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Salut! Ciao.